Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light 2 avec Katox. Salut Katox, où es-tu? Salut. Tu es loin Katox, tu es tout là-haut. J'apparais, voilà, comme par magie. Tel un super-héros avec ses petites étoiles. Tu es quasiment mort Katox, je peux te soigner. Non, je peux me soigner moi, c'est complètement con. Je sais plus comment on fait pour te soigner. T'as peut-être trop de vie pour que je puisse te soigner. On peut pas se soigner dans une zone sécurisée. Ah. Parce que voilà. Parce que pourquoi pas. Alors du coup, je vais me refaire les petits kits de soins vite fait. Et du coup, on s'est retrouvé téléporté ici. Donc on va en profiter pour faire notre petit rapport au papa que sa fille s'est cassée. Ouais, c'est un mauvais père gros. Un mauvais père, je pense que c'est comme tous les pères du monde surtout. Pourquoi je peux pas lui tous parler? Tous les pères du monde sont mauvais. Non, tous les pères du monde ont du mal avec une jeune adolescente, je pensais plutôt dire. Elle a pas vraiment la tête de la jeune adolescente. Hein. Voilà. Ça y est, en fait, il faut que je sélectionne la quête pour pouvoir lui parler. J'arrive. Il arrive. Zir, I found some of Eski's things near a tunnel. Looks like a smuggling route. I'm pretty sure it leads all the way to Haran. She's going to Haran? Will she? Could she be safe in the city? You've been there. Tell me. I won't lie, Jazeer. It's a dangerous place, but I'll reach out to my friends there. They'll help her. I thank you, Kyle. Ouais. Il y a quand même petit arrangement hein, avec la vérité, ouais, hein. Pas dire le contraire. Hein. Il n'a pas menti. Il a trouvé ses affaires. Il n'a pas dit qu'il avait trouvé. C'est qu'il l'avait aidé abondamment à y aller, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, sinon elle y aurait été, elle serait faite buter. Donc, tant qu'à faire, autant l'aider. Bah, tant qu'on est là, on va avancer un peu la quête principale, ça te va? Hein? Interparti vendre. J'arrive. Tu sautes. Jazeer, that was one cryptic message. I didn't want to get into details over the radio. One of the men from town just died from the water poisoning. Oh, I'm sorry to hear that. Yes, we all were. He was military. And he asked us to give away all of his possessions. The last thing we have left is this card. I don't know what its purpose is. That's a military key card. I mean, if it's properly authorized, it could open any military electronic lock. Well then, here. Ah, ben voilà. Mais faites-lui parler. Maybe it'll help you. Besides, we... On va pouvoir ouvrir ces fameuses clés. Ça c'est ouais, cool. Yeah. Encore une quête. We all saw it. The mother accepted you into the following. So we should accept you into our community too. You are welcome now among the children of the sun. Thank you, Jazeer. Alors les cartes clés militaires, bah oui, du coup on en avait trouvé des coffres. Voilà. Bah, on va faire la collectionnite. La collectionnite, faut aller où? Bah, je regarde laquelle c'est la plus proche. Alors celle-là, bon, c'était comme t'avais dit là, le gros gouffre, il fallait sauter. Mm-hmm. Celle-là, elle est du côté, d'accord, là-bas, c'est un peu plus loin. Ça. Ouais, elles sont toutes relativement loin. Et ça c'est dans un hydrapas, parfait. Bah au final, le puits aux fées, c'est pas forcément le plus loin. Hein. Quand on retourne sur le temple? Je pense que ce serait adéquat. Si ça te va. We believe a plane may have crash-landed somewhere in here. Yeah, I watched it go down. Oui, ça arrive, il a vu. It's worth checking for survivors. It could be someone from outside the quarantine. Je vais pas sortir. Help! They're coming! This sacred place is in danger! Alors, l'ami Katox, il est parti. Moi j'attends pas moi. Ouais, je faisais juste un petit plan vite fait. Ah, il y avait un zombie avec un chapeau d'Halloween. Extrêmement important. Ça c'est un mur ça. Faisons le tour.
Ah ouais, c'est vrai que c'est clair comment le niveau de pilote il monte plus vite quand t'écrases des gens, c'est complètement fuck. Ah ouais, c'est... Je crois que si tu montais tous les niveaux de pilote rien qu'en conduisant bien sur la route, ça donnerait pour quelques heures de conduite. Hein. Ça c'est clair. Bref, faut viser le trou. Merde, il y avait un rocher derrière. Ça a l'air d'être un... C'est par là. Alors j'ai une pièce qui est rouge sur mon véhicule, du coup forcément c'est un petit peu plus tendu de conduire. Mais bon, on nous a quand même largement, comment dire ça poliment, dit dans les commentaires qu'on conduisait excellemment bien. Ah oui, j'ai jamais douté de ça. T'en as jamais douté, toi aussi. Après c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup Forza 5, conduire. Plié, hein. C'est surtout moi qu'on voit conduire. Et on voit bien que bon bah voilà, c'est dans 20 épisodes là, démonter le level max alors que moi je suis toujours complètement à la masse. Donc je vais conduire un petit peu moins bien probablement. Peut-être parce que j'ai passé un temps conséquent à prendre des amis. Ah, donc, là il y a de nouveau de l'eau à traverser. Je crois que c'est pas en là. Je pensais qu'en sautant je pourrais passer la flotte, mais c'était un petit peu juste. La voiture a échoué au fond de l'eau. Problématique. Du coup, il y a un explosif qui a eu le temps de me rattraper. Alors, maintenant faut qu'on monte là. C'était un pont ça. Oh, ça va, ça passe si on prend pas le pont. T'as pris un petit peu d'avance, hein. Oh, je suis déjà en train de fouiller tout le parking. Bah ouais, je crois que je peux d'ailleurs, je prends pas la bonne route. Ah non, machin, je suis pas du tout. C'est pas du tout pareil, faut aller. Non mais j'ai loupé le virage en fait. C'est le truc. Pour monter à ce foutu contrefort rocheux. Prends le pont. Prends le gros port. Voilà, c'est le cadeau. Il va falloir m'expliquer quelque chose sur le niveau de conduite quand même, parce que c'est quand même vraiment n'importe quoi. Comment on y monte à ce truc là? C'est ouf. La voiture ne tourne plus quoi. Toujours la même excuse. Voilà, c'est facile. Je vais la réparer tout de suite avant que on se rende compte que voilà. Alors ça c'est. Je peux pas la réparer. Il fallait partir en triple urgence. Qu'est-ce qui se passe? On me tape dessus? Ah non, j'avais l'impression que. Il y avait un truc qui se passait, 20% c'est pareil, dans le sac à dos, allez hop, j'installe. Ça c'est à 41%, ok, c'est bon pour moi. Il faut qu'on remonte tout là-haut, c'est ça? Je suis surpris que tu m'aies attendu, t'as fouillé toutes les voitures, c'est ça? Oh bah je sais pas, quelques composants. En même temps, t'as bien raison, j'étais un petit peu à la bourre sur ce coup-là. Eh oui. C'est mon défaut, hein. Je crois pas. T'as l'habitude de... Comment dire... D'éviter... les routes. Que moi j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Alors, suivez l'indice. Oh, mon mec marche pas droit. Sur l'escalier, c'est vrai qu'il... Il galère un peu, on est d'accord. Alors... La statue.
Est-ce qu'il y a une statue en haut et qu'il faut qu'on fouille dessus? Ou est-ce que... Tiens, il y a une peinture ici, j'avais pas vu. Non, je suis sûr qu'il parle de la statue... Il parlait pas d'une statue dans le fond de l'eau. Ouais, parce qu'effectivement, là, je suis tout en haut et ça me dit faut descendre. Donc non, clairement. Oh là. Par contre, j'avais pas vu, mais juste en haut de l'escalier, il y a une petite peinture. T'as sauté? Ouais. Et t'as envie? Pour l'instant, oui. J'aurais payé cher pour t'éclater sur un bord. C'est vrai que c'était étroit, on a bien visé. C'est joli. Une statue petites... qu'il y a là. C'est un coffre en tout cas. Il y a un coffre là devant. Oh bah c'est peut-être ça en fait. Parce qu'il faisait un coffre au pied de la statue, mais. Crochetage facile, non tu t'en occupes. Ah non, c'est moi qui l'ai pris. Tiens, j'ai gagné un point de compétence visiblement. Allez voir le phénomène étrange. Quoi ? Pourquoi il y a des munitions là ? Non, parce que si t'as pris le flingue tout en ayant des munitions full, et trop de... Bah j'avais même pas vu qu'il y avait un loot dedans en fait. J'ai dû le prendre sans faire exprès. Bon, ça commence à être tendu la respiration là, il faut grimper. La question est maintenant comment est-ce qu'on sort d'ici ? Ouais, on est d'accord parce que l'anomalie là c'était vraiment un truc à la con. Donc on a eu rôdeur, puissance de feu 750 contre 411 contre le truc de Raïs. Non mais fais pas ça, fais pas ça. Qu'est-ce que t'as fait ? Non, il aime bien sauter sur les murs. Comment on remonte par contre ? Tout un petit chemin à prendre. Sur base de sauter des pierres. Ouais, j'essaie déjà de trouver un endroit pour sortir de l'eau. Ça peut être par là-bas du coup. Ouais. Vas-y, et là ce sera normalement sur ta droite. J'avais vu que ça avait l'air d'être prometteur par là, mais... Voilà. Voilà, t'attends. Ce bon vieux parcours des familles. Alors après... bah ouais, et après on sautait par là. T'as fait quoi là? Et sinon tu utilises le grappin. Ouais bah non mais justement j'ai planté le grappin mais en fait il s'est planté tout au plafond. Du coup j'étais un peu en train de grimper alors que c'est censé être trop haut. Mais je sais pas comment il a fait. Je pense qu'on peut être directement là. Voilà. Et après on peut peut-être choper un truc ici. Genre ça là, c'est prometteur ça. Hop là. Voilà. Ah ouais, classe. Ah, il est joli. Du coup, alors, on a fait ça, donc anomalie c'est la quête principale. Ensuite, je crois que de toute façon, tout le reste à l'autre bout du monde. Ça c'est loin. Ouais, mais ça on peut peut-être couper par cette zone qu'on ne connaît pas, j'y crois pas trop, mais... Il y avait pas un truc de voyage rapide entre les ouais, zones pas. C'est bien possible. Se déplacer. Double. Non, ça fait rien. Peut-être les grosses safe zones. Non, bah même pour aller dans le truc de Jazir, ça marche pas. Peut-être qu'il faut que nous-mêmes on soit dans une safe zone. Alors j'ai une compétence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une compétence de pilote. Tu vois que t'as ta compétence de pilote. Pare-buffle renforcé. Ça me paraît effectivement un bon investissement. De tester ton flingue. Ah non, t'es en train de massacrer ma voiture. Vas-y, normalement tu peux démarrer, je reste dessus. Vas-y, je vais en douceur. Oh oui, c'est un petit peu juste. Ah, dommage.
Un nouveau mode de transport en coin. Parce que on a cette quête là mais elle est loin, je pense qu'on peut faire plus proche. J'aurais peut-être pas dû ouvrir la carte en laissant en continuant d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de me rentrer dedans. Non bah au final c'est celle du cimetière la plus proche. Je suis où là? Ok, la route est là. Youhou! C'est bon, j'aurais jamais à prendre cette, cette côte sans me planter par terre. Quelle côte? Une côte. De ce côté. Je descends tout à pleine vitesse. Oh, c'est bon. Ah oui d'accord, tu descends genre en ligne droite la côte. Je descends de la montagne. Mais je suis pas de cheval. Là. Ça c'est une safe zone, on l'a déjà débloqué. C'est pas... J'ai peur que le parbuffle il change la vie. Ah, si tu rencontres des ondes. Ouais, c'est un peu vite pour l'instant. Je crois que c'est de l'eau de. Ouf, fichtre. Je t'avais prévenu. Hein. J'imagine que t'es tombé dedans. Y'a pas moyen de sauter par-dessus. L'avantage, c'est que je peux faire le plein. Je peux faire le plein. C'est... Je peux faire le plein sous l'eau. Par là, mais il y a toujours la flotte, il y a moins de passer. Ah oui, le lac continue par ici. Mais bientôt, bah, c'est sûr que quand on suit moins les routes, ah, c'est quand même moins simple de négocier ce genre de, d'endroit. Ah, toi aussi, tu t'es dit, tiens, je traverse, et puis en fait, t'es sorti des herbes et il y avait un mur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit pourri là? Sérieux? Allez go. Ah, tu t'es arrêté au survivant? Enfin les ventes. Mais bordel, qui met des murs en plein milieu de nulle part là? On est marre. C'est bizarre, pourquoi c'est vers le haut là? Aérosol. Ah mais il y a un mec là. Ah ouais non mais d'accord, c'est un fucking Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Esky. Damn, I can barely hear you. But listen, I made it. I found Troy. Thank you, Kyle. She told me about the... Oula. Esky. Esky. Jazeera, I have some good news. Good news? That'd be nice for a change. Eski's alive. She's on her way to the tower. Safest place in Haran. She's with my friends. Really? Praise the mother, Kyle. Praise her name. Oh shit! C'est maintenant par où aller? Bah, je suis en train d'aider des survivants là, qui traînaient. You came in here like a hero from the legends. Like the god of the sun himself. Même que je récupère les points de survivants que je perds quand je meurs à cause de toi. Comment ça, à cause de moi? Bah comme à cause de toi. Je te trouve fort, fort accusateur. Écoute, la VOD jugera, hein, j'ai envie de te dire. Mais... C'est pas ma faute, c'était bien de mettre à côté le bidon explosif. Bon alors par contre là il y a une grosse saloperie, donc il va falloir qu'on traîne pas trop. Allez, on démarre. Hop, bon, ça va. Par eux. Voilà. Oh, alors, du coup, des armes là. Ouais, ils sont chiants de mettre des armes partout, je suis assez d'accord. C'est assez insupportable pour le kidam moyen. Ah, mais t'es pas tout rasé. Très loin, en fait, t'es toujours là. Bah, je suis venu te rejoindre. En fait, j'ai fait trois fois le tour du champ, sur tous les ennemis. Ah
Bon bah c'est pas tout ça mais c'est quoi ce bruit à la con là? Genre ma voiture elle fait un bruit de tondeuse à gazon là, de merde là. Passer un peu par les champs, tuer des gens. C'est sûr que ça va réparer. Un petit bout de trip sur le moteur. Ouais mais quand je mets la... Quand je mets la nitro, elle avance plus quoi. Complètement acheté. Bim. Un coup de poing dans ta gueule, c'est top. Il a tout pété. Bon c'est parfait, on va vers un hydrapasse, donc j'avais calculé qu'on y arriverait à la nuit tombée. C'est totalement aléatoire et ça t'arrange bien que ça soit la nuit tombée? Non, j'ai prévu que c'était loin et qu'on arriverait vers la nuit tombée. Oh là là. Faire la version de l'aléatoire. C'est peu de fois que tu es en moi, quoi. C'est pas peu de fois, un aspect... Tu ne me fais pas confiance. Terre à terre. Action de confiance. On est au-delà du système de confiance. On est sur quelque chose de bien, bien plus. Ah, t'as vu les. Les chapeaux des petits. Des petits mecs là, ils. Oui. Ouais. J'ai vu des chapeaux des petites sorcières comme ça. Partir par là, il y a trop de monde sur ça. Là, c'est en vide. Ouais, t'es encore milieu ici. Une zone safe que j'avais bloqué. J'ai l'impression que quand ton moteur est en douleur, la nitro elle marche moins bien. C'est quand même triste. T'es arrivé à la quête ou pas hein? Ouais. Cool. Ça peut pas être très long. Et c'est totalement en thème. L'ambiance. C'est vrai que c'est assez cool. Oh, c'est sympa, c'est une petite balade de frontière. Ah merde, mon arme est pétée. Bouge pas, j'en prends une autre. L'épée longue, impitoyable. Non, j'avais fini de la réparer justement. Ah, ça fait quelque chose. Ouais, il y avait un truc qui fut utilisé, puis il fait oui. Ouais, je t'ai vu tendre la main, mais ça a pas l'air d'avoir été très probant. Parce que c'est pas... Alors c'était quoi l'indice? Voilà pour vous une histoire qui est bien triste, il est vrai qu'il y a un corps que vous allez voir 6 pieds sous terre, donc de nuit ils se sont mis à creuser sans jamais s'arrêter jusqu'à ce que ce corps ils ont trouvé sur place ils auraient dû laisser. Ok, donc en plus c'était de nuit, donc ça tombe bien. J'avais complètement zappé que c'était de nuit. Ah, là il y a un truc là. Ok, on arrache des pierres tombales et y'a rien derrière. C'est quand même pas de bol. C'est pas... Je pense qu'il faudrait que j'allume ma lampe, peut-être. Putain, il est immense ce cimetière. Bordel. Ah. Ah, t'as trouvé un truc. Tenue de crâne mandala. Là où je suis. Alors la zone de recherche se réduit donc c'est cool mais. Ah. Cool. Bah écoute, toujours ça de prix. Ouais. Ah, t'as trouvé. C'est vachement restreint d'un coup la zone là. Oui, c'est là autour mais... Une peinture. Bah y'a un trou, non. Mmh.
On est censé creuser, hein, donc la logique voudrait plutôt que ce soit en bas. En dessous. Ça y est, il fait nuit. Hashtag la loose. Tiens, il y a une peinture là. La nuit arrive. T'as raison, équiper la lampe à UV, ouais. Peut-être pas déconnant. Bon, pour l'instant, ça a l'air calme. Après, on est près d'un nid, donc théoriquement, y a un truc qui nous échappait là. Bah oui, on disait creuser. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait un objet spécifique pour creuser ou... Ou peut-être c'est parce que ça veut dire que c'est par. Pour avoir un accès. Ouais, mais il mettrait pas un cercle comme ça en mode c'est là, les gars. Merde. Lampe qui s'éteint, quoi. Oh putain. Alors, il regarde par là, la machine là. On a l'air malin, moi je te le dis. Ah là, il y a peut-être une plaque là. Ah, il y a une plaque là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Menez l'enquête. Ah. Vous avez trouvé le fameux sabre. Vous pouvez le montrer à Jazir, c'est toujours en vie. J'adorerais voir son visage quand il le récupérera. Ah, c'est le fameux sabre de Jazir. Quoi ? Parfait. Est-ce qu'on a autre chose qu'on peut aller voir ? Alors normalement, vu qu'on est ici... Alors attends... Est-ce qu'il y a une safe zone pas loin ? Normalement il y a ça... On peut faire le nid de rapace. Hein. Bah tant qu'on est là, ouais. Il est censé y avoir la safe zone pas très loin avec l'intendant là. Il y aura sûrement des quêtes d'ailleurs. Mais il faut quand même y arriver quoi. Mais on peut faire le nid de rapace. Je pense que ça peut se faire. Cours de touche, c'est ça que je veux faire. Rallumer. T'as sauté là? Ouais. Wow, c'était juste. Ouais, moi je me suis bouffé les cailloux ici. T'es pas mort? Bah, faut croire que le 30 cm d'eau a amorti ma chute. Vous entrez dans le nid. 12:53 avant l'aube. Ah, tu sais quoi, je pense qu'avant de faire Sony, je vais couper l'épisode. Une fois qu'on sera parti dans le fight, quelque chose me dit que ça va être plus calme. Bon, il y a des petites merdes là qui courent, mais rien de trop grave. Du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite. Salut.